Bon, ils sont où ces poulets? Ah, toi t'es là, viens, viens, viens mon poulet, viens mon poulet, viens. Ils sont où les autres? Viens mon poulet. Ah, toujours à aller se perdre ailleurs les poulets. Viens, hé, poulet, hé. Viens là, viens là, viens là, viens là, avec les autres, allez hop, allez, 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 avec les autres, allez, 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 allez. Eh, dites donc, sentez la javel, qu'est-ce que vous êtes allé faire, vous êtes allé à la piscine? Vous croyez que c'est le temps pour aller à la piscine? Vous avez voulu faire comme les poulets américains? Ah, c'est ça en fait. Vous avez voulu faire comme les poulets à la javel qu'on fait aux États-Unis? Ouais? Bah oui! C'est pour le grand marché transatlantique! Vous savez ce que c'est le GMT? Le grand marché transatlantique? Bah le grand marché transatlantique, c'est un grand marché, un grand traité entre l'Europe et les États-Unis qui va tout chambouler nos normes sanitaires notamment et qui va par exemple permettre que les poulets lavés à la javel, bah ça soit autorisé en France et en Europe. Parce que les Américains, ils n'ont pas des normes sanitaires aussi strictes que les nôtres. Ils ont des normes sanitaires beaucoup plus flexibles. Et donc du coup, ils ne se préoccupent pas de comment ils élèvent les poulets. Ils les lavent un coup à la javel avant de les mettre, avant de les plumer et de les envoyer dans nos magasins. Et voilà. Donc c'est pour ça que vous puez la javel. Et le grand marché transatlantique, il n'y a pas que ça. Dans le grand marché transatlantique, ce sera aussi la fin de toutes les barrières, de toutes les barrières douanières entre la France et les États-Unis. Il faut le savoir, ça, c'est important. Et puis, principalement, ça, c'est extrêmement grave, c'est la possibilité pour les entreprises privées d'attaquer les États devant des juges, et non, enfin, pas des juges, devant des arbitres, des tribunaux, des cours arbitrales, qui ne sont pas des vrais juges, hein, les attaquer parce que les États leur feraient de la concurrence, notamment quand ils choisissent d'avoir une politique de santé qui est gratuite, par exemple, ou quand ils choisissent de faire de la gratuité sur ou de faire des services publics qui gèrent en monopole. Voilà. Donc ce traité-là, le TTIP ou le TAFTA, comme on l'appelle autrement, c'est extrêmement dangereux. C'est pour ça qu'on a des gros poulets aujourd'hui qui sentent l'eau de javel parce qu'ils sont allés se baigner dans la javel pour faire comme les poulets américains. C'est scandaleux. Il faut dire non au grand marché transatlantique. Je vous propose de chanter une petite chanson, mes poulets. Vous connaissez les petits papiers? Vous connaissez les petits papiers, les petits poulets? Allez, c'est parti. Allez, on côte-côte. Stoppez, stoppez le GMT, TAFTA ou bien TTIP, ou sinon bientôt vous aurez dans vos assiettes poulet chloré, bœuf hormoné, maïs transgénique, quelle panique, de tout cela on n'en veut pas. Pas de biberon au bisphénol A, du gaz de shit dans nos verres d'eau, nos eaux fluviales pleines de métaux, nos taux d'impôt, j'ai plus la main, les mains liées par le capital. Stoppez, stoppez le GMT, TAFTA ou bien TTIP, le GMT on n'en veut pas. Grâce à nous, il ne passera pas! Dites non au grand marché transatlantique pour éviter d'avoir des poulets à la javel, du bœuf aux hormones! Et n'oubliez pas, le 25 mai, les élections européennes, c'est l'occasion d'exprimer quelque chose, d'exprimer un vote contre le grand marché transatlantique, qui est un projet qui est négocié dans notre dos par les commissaires européens depuis des années, depuis 2005 et avant, entre l'Europe et les États-Unis. Et il y a une liste qui propose de s'opposer à ce grand marché transatlantique, c'est la liste Front de Gauche menée par Gabriel Amar. Donc le 25 mai, n'oubliez pas d'aller voter aux élections européennes, c'est dimanche, et de voter Gabriel Amar et la liste du Front de Gauche soutenue par Jean-Luc Mélenchon.